Salut les amis et bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment vous avez passé la nuit? Et bon, pour ceux où il n'est pas encore nuit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis ceux qui viennent de se lever ou je ne sais pas, bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous? Comment ça avance vos projets? Comment les choses déroulent dans votre vie? Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, tout simplement, ce matin, j'ai eu cette pensée de dire still believe. Donc, c'est la pensée qui m'est venue en tête. Et puis, j'étais en train d'imaginer tout ce qui est possible, tout ce qui est faisable, tout ce qu'on peut changer, tout ce qu'on peut réaliser quand on veut le fait de croire. De continuer à croire sur des choses qui peuvent qui peuvent changer notre vie, le fait de continuer à croire sur nos perspectives, le fait de continuer à croire sur ce qui nous passionne, le fait de continuer à croire sur notre mission de vie, à avancer quand même, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances. Donc voilà. Donc je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin, je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton business, dans ton travail ou dans ta vie personnelle, dans ta vie affective. Donc, je ne sais pas. Alors, je peux dire que une chose que je sais, que on a tous des problèmes qui nous arrivent, et les problèmes qu'on a, il y a aussi des solutions. Les solutions, il y a toujours des solutions après un problème, parce que quand on parle de problème, on parle exactement de solutions. Donc, dans un problème, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses à profiter dans un problème. Alors, je ne sais pas quel est votre problème aujourd'hui. Si vous avez un problème et que vous savez que c'est un problème qui est urgent, je vous parle de vos problèmes qui vous demandent vraiment de faire un changement, d'avancer, de vous demander de voir les perspectives de solutions. Donc là, j'aimerais te dire, profite de ce jour pour continuer à croire. Continue à croire dans ce qui est possible, continue à croire dans ce que tu peux faire pour avancer, pour changer les circonstances, même si tu ne peux pas changer, pour changer de perspective, même si tu ne peux pas changer les circonstances. Alors, tu sais, ce que je veux dire là, c'est important parce que souvent on va voir dans le problème et on reste focus sur le problème. Et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de dire, je vais continuer quand même, je vais faire de mon mieux, je vais faire ce que je peux, je vais continuer à croire. Donc ce matin, c'est mon message pour toi, c'est de continuer à croire. Still believe. Donc voilà, reste focus et crois dans tes perspectives, crois dans les projets, crois vraiment continuer à avancer parce qu'il y a une solution et la solution, tu l'auras bientôt. Tu l'auras bientôt, continue à vraiment à creuser et n'abandonne pas au beau milieu ou là où tu vas découvrir le diamant qui est sous la terre. Donc continue à creuser, les choses vont changer bientôt. Alors, comme je l'ai dit encore, je ne sais pas votre problème, mais si votre problème c'est un problème vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de coaching, vous avez besoin d'être écouté par quelqu'un, c'est le bon moment parce que j'offre une session stratégique de 2 heures, 2 heures de coaching. Donc, à toute personne, enfin, je vise 10 personnes, mais j'ai 10 places, disons. Donc, si vraiment tu sens que ton problème est peut-être un problème d'épanouissement, peut-être un problème de transformation, un problème où tu n'arrives pas à atteindre tes rêves, un problème où tu es bloqué dans une sorte de roue et vous n'arrivez pas à sortir. Donc, j'aimerais te proposer cette session stratégique. Donc, tu n'auras qu'à cliquer sur le lien que je vais mettre après ce live. Donc, tu prends rendez-vous et on va pouvoir en discuter. Il y a toujours des solutions derrière un problème. Donc, quand on voit problème, il y a toujours solution. Comme dit le proverbe chinois, donc on voit, les Chinois, ils disent donc, crise égale danger et opportunité. Donc, problème égale problème et solution. Voilà, vous voyez? Donc,
il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des avancées possibles. Alors moi, je te souhaite vraiment que ce jour, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir rester focus, tu vas pouvoir continuer à croire, croire même si tu ne comprends pas ce qui se passe, ok? Parce que là, il y a toujours une possibilité. Alors, continue à croire. Je te souhaite vraiment tout le meilleur aujourd'hui. Je souhaite vraiment que ce jour va t'apporter toute la lumière que tu souhaites pour résoudre ton problème. Et ce jour va t'apporter toute la force que tu souhaites pour affronter les difficultés et aller vers la résolution de ton problème. Et je souhaite que vraiment ce jour va t'apporter des clés pour dire c'est fini, c'est assez, j'en peux plus et j'arrête, ça doit finir aujourd'hui. Et tu vas voir au point de cette clé-là, tu vas ouvrir les portes pour sortir de cette difficulté. Donc, je te souhaite vraiment une très belle journée et de profiter de la vie et vraiment, reste dans cet état d'esprit de gratitude, c'est important. C'est important parce que la gratitude nous rappelle que, enfin, il y a eu des choses qui sont passées dans notre vie, il y a eu des choses qu'on a vécues, de bonnes choses, et aujourd'hui, on peut qu'être reconnaissant. Voilà. Donc, et quand on est reconnaissant, quand on est face au problème, du coup, on a plus de recul, on peut plus facilement rebondir, mais que si on reste dans. Ouais, si on râle, si on s'énerve, et si on met la faute sur les autres, on ne va pas sortir facilement du problème. Mais si tu es dans cet état d'esprit de gratitude, peu importe les circonstances, je t'assure que tu vas trouver vraiment des solutions, tu vas trouver des pépites, des choses qui vont vraiment te transformer. Donc ce matin, vraiment, c'est l'idée que j'ai eue de dire « I still believe ». Donc, c'est une phrase qui m'est venue ce matin, I still believe. Donc, du coup, je t'ai fait ce live pour partager avec toi ces conseils-là. Donc, de te dire, reste focus, crois quand même, crois dans ton projet, crois dans tes rêves, crois dans ta mission, crois dans ta raison d'être. Alors, continue à avancer. Et si tu as besoin d'aide, trouve de l'aide. Cherche des gens qui peuvent t'aider. Cherche des gens qui t'aiment suffisamment, qui voulant investir en toi, qui voudront t'aider à avancer vers tes perspectives. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt pour un nouveau live. Ciao.